Dans les couloirs du collège du Bois à l'eau à Bernaville, l'odeur de la peinture fraîche et les frottements du papier à penser côtoient les meubles scolaires et autres livres éducatifs. À quelques jours de la rentrée, ce collège d'une capacité de 250 élèves évolue pour en accueillir 350. Un projet d'agrandissement et de réaménagement mis en place en 2012 pour une première livraison de l'extension de 660 m² prévue aux vacances de la Toussaint. Ça permet de fluidifier un petit peu le trafic en quelque sorte, et puis les conditions d'accueil même dans les salles vont être agrandies et dont on était un petit peu juste. Donc là, ça va donner des meilleures conditions de travail à la fois pour les élèves et puis aussi évidemment pour les enseignants également. Le collège d'Ailly-le-Haut-Clocher dans la Somme est quant à lui totalement mis à nu avec une réhabilitation complète de son infrastructure. Des travaux de réhabilitation énergétique nécessaires pour le département qui souhaite favoriser un cadre de travail propice à la réussite. Sur le collège de Ailly-le-Haut-Clocher, nous avons démantelé la microstation de traitement des eaux usées et nous sommes raccordés sur l'assainissement communal et nous avons installé les installations de chantier pour démarrer le chantier d'extension qui va démarrer début septembre. Autre chantier de démolition cette fois-ci au collège Jacques Prévert à Nouvion-en-Ponthieux. Après le désamiantage des façades réalisées cet été, les travaux d'isolation se feront par étapes dès septembre. Une solution pour permettre aux jeunes collégiens d'étudier en toute tranquillité, sans les nuisances des travaux au quotidien. Nous avons consacré en 2018 4,6 millions d'euros pour l'entretien général des collèges. Ces crédits ont fortement augmenté en 2016 et 2017 pour bien montrer aussi l'intérêt de notre collectivité à l'entretien des collèges. Mais rassurez-vous, malgré les travaux, la saison estivale vient de se terminer et les professeurs sont déjà prêts pour accueillir leurs élèves dans leurs nouveaux locaux totalement aménagés.